Hello, hello! Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite préparation de thé glacé à la pêche. Déjà, je vais commencer par le début et j'espère que vous allez bien. Du coup, là, je vais aller chercher tout ce qu'il me faut et je vais préparer ça ici. Ma chambre est un énorme bordel. J'ai tout bougé pour vous filmer ça de ce côté et tout. Donc, bref, je suis littéralement coincée entre le mur, la table qui est juste là, mon lit, enfin voilà. Ok, du coup j'ai tout ce dont j'ai besoin pour ce thé. J'ai acheté ces petits, cette petite carafe et ce verre au B&M, anciennement Babou, et franchement ils sont trop mignons. Du coup pour mon petit thé glacé, vous aurez besoin de sirop pêche abricot. Ensuite vous aurez besoin d'un petit thé pêche. Moi du coup j'ai pris la marque Éléphant. C'est pêche miraculeuse, pêche abricot et goyave. Et franchement il est hyper bon. J'avais un peu peur de la goyave puisque j'aime pas le fruit, mais franchement en thé ça passe très bien. D'une pêche plate, d'une petite rondelle de citron vert. Et je vais commencer par le faire infuser. Du coup j'ai le petit thé ici, je vais en prendre deux, je fonctionne par deux. Je vais les mettre dans la carafe. Du coup là maintenant on va laisser le thé infuser. Je vais m'occuper de découper la pêche plate et une petite rondelle de citron. Du coup là je vous prépare un weekly vlog. Je vous l'avais dit, je vous le prépare pour la semaine prochaine, pour dimanche prochain. Et en fait je tourne du lundi au samedi. Du coup ça va être cool. Et pour le mercredi je vais vous trouver un autre type de vidéo. Et pourquoi pas le mercredi des petites recettes comme ça, de boissons. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça serait cool, voilà. J'aime bien avoir vos avis. Hop, je découpe ma pêche plate. Je vais me couper une petite rondelle de citron. Et en fait avec la paille je viendrai piquer le citron, enfin le goût du citron dans le thé. C'est vraiment super bon. Je vais me couper deux petites rondelles comme ça. En attendant pardon que ça infuse, je vous disais on est actuellement à la recherche d'un appartement. Mais en fait c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pensait quand même. Et en fait j'ai hâte, enfin on a hâte d'être en appartement. Même moi j'ai hâte d'avoir un petit coin bureau, de vous faire des vidéos room tour, tout ça. Enfin j'ai plein de projets là-dessus. Donc j'ai vraiment hâte, j'essaie de me couper un petit bout de citron. Je sais pas pourquoi mais à chaque fois je me challenge à mordre un peu dans un citron, je sais pas. Même effet à chaque fois. Ah! Bon alors maintenant que le thé est infusé, je vais vous mettre du côté comme ça et je vais vous dire en même temps ce que je fais. Mais je me dis qu'avoir un meilleur point de vue, ça peut être plus sympa. À tout moment, je fais tout tomber. Je suis Miss Catastrophe moi, donc ça ne m'étonnerait même pas. Du coup, je vous mets du côté sur l'échafaudage que j'ai là, le petit escabeau, et je vous montre. Maintenant, on va mettre le petit sirop pêche abricot. On va rajouter nos petites rondelles de citron du côté. Petit morceau de pêche. Voilà. Voilà mon petit thé glacé. Je perce juste les petites rondelles de citron. Il est ultra frais. En même temps, j'ai mis pas mal de glaçons. Franchement, il est trop bon. Donc voilà, ça c'est ma petite recette de thé glacé. En soi, je fais rien du tout. Hein. Je sais que moi, j'ai regardé plein de vidéos sur TikTok parce qu'en ce moment, mon TikTok, il est rempli de ça, de thé glacé et tout. Il y a des personnes qui prennent des pêches, qui les font cuire, qui mettent un peu de sucre, une sorte de petite compote. Après, ils passent ça au tamis et franchement, après, ils rajoutent les pêches dans le thé. Ça a l'air hyper bon, mais moi, je l'ai fait vraiment très simple. Alors, on ne laisse pas les fruits. Hein. Moi, je les pique comme ça et je le mange. Elles sont trop bonnes.